Quoi? Tu pourrais passer un manège. Avant d'aller au manège, tu dois manger. Si tu ne manges pas, il n'y aura pas de manège demain. Si tu manges, oui, tu auras un manège. Sinon, pas de manège. Je sais que demain, c'est dimanche. Pourquoi tu n'aimes pas manger d'abord? Regarde comme tu es maigre. Hein? Tu es toute maigre. Regarde cela. Ça, c'est le palu qui t'a raté. En plus, tu ne manges pas. Pourtant, il y a la nourriture. Regarde comment tu es maigre. Regarde. Là, recorre les mains. Regarde tes pieds. Regarde. Regarde comment tu es maigre. Tu vois? Tu manges ou tu ne manges pas? Hein? Tu sais, le manège, tu dois tous te souvenir du manège, de la glace. Hein? Hein? T'aimes la glace ou t'aimes plus la glace? Hein? Tu veux la glace? Tu dois manger. Ah, chérie, il faut que tu manges d'abord. Il faut que tu manges d'abord. Je ne vais pas te promettre. Tu vas manger avec les mains ou quoi? Viens, viens pas avec, pardon. Tu vas manger avec. Tu vas manger avec les mains ou quoi? Fais voir le couscous là. Tu manges le couscous, hein? Ça c'est quoi ça? Ça c'est petit? C'est parce que je vais pour un petit minute, c'est pour faire une taille. Ok, what do you want to do? L'autre, tu vas quoi? Chérie, tu finis le couscous avant d'aller au manège. Je ne vais rien te promettre tant que tu n'as pas mangé. Tu dois finir le couscous complètement. Mais je vais revenir et je vais dormir dehors. Lave les mains alors. Je vais pas loin, je suis ici à côté, tu vois. Je vais accompagner tonton Martial, c'est tout. Ici dehors. Lave les mains. C'est bon? Tiens. Chérie, il n'y a pas de manège sans manger. Mange. Tu n'as même pas à commencer de manger. Commence. Mange d'abord. Prie. Tu n'as pas prié en plus. Amen. Vas-y. Rose fait même appel à un pédopsychiatre, Ernest Dichter, pour mener des études en groupe. À l'époque, la plupart des poupées sur le marché sont des poupées. Rose a vu qu'il y avait un manque. Elle voulait une poupée qui représente les femmes. Tu t'observes. Maintenant, avant de manger les frites, les omelettes, tout ça, la première chose, tu manges le couscous. C'est ça qui m'a nourri. Tu vois comment je suis grand. C'est le couscous que tu manges là qui m'a fait grandir. Nous, on ne connaissait pas les frites, les... Quoi encore là? Qu'est-ce que tu aimes souvent manger là? Les hamburgers, la pizza. Oui, hamburger, pizza. Yo, tout ça, il n'y avait pas les cookies. Tout ça là. L'autre là, tu appelles ça comment? Les Pringles. C'est quoi? Les chips. Les chips. Tu vois, nous, on n'avait pas tout ça là. Mais pardon, baisse un peu le volume là-bas. Je fais que... Baisse un peu le volant de la télé, pardon. Je suis en train d'arrêter ta fille là qu'elle mange. Regarde comment elle mange ici. Tu vois, nous, c'était le couscous qu'on mangeait, hein, avec les légumes comme ça. On mangeait bio. Tu vois? C'est pas comme vous aujourd'hui, ce n'est que les frites de pommes, tous les jours, frites de pommes, avec les omelettes, tout ça là. Tu dois manger. Si tu manges le couscous tous les jours, tu vois, tu seras forte et tu auras un bon poids. Tu auras ce qu'on appelle l'embonpoint. Hein? Ça veut dire quoi? Quoi? L'embonpoint. L'embonpoint, ça veut dire que tu as un bon poids et tu es beau. Je suis pas garçon. Bah, tu es belle. Ça me va. Mm-hmm. Là, tu dois manger. Parce que là. Et puis à l'église, il faut que tu chantes bien. Il faut aussi que tu manges bien. En plus. Papa. Hein?
vrai, mais j'ai pas appris de chant. T'as pas appris de chant toute une semaine? Mais qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? Comment toute une semaine tu n'apprends pas le chant? Elle ne le faisait pas. Elle n'est pas venue. D'accord, mais il faut que toi-même tu commences à choisir là, tes chansons, ok? Par toi-même. Normalement, comme c'est le culte de dimanche, demain, tu dois normalement, tu devrais avoir choisi un chant. Mais aujourd'hui, elle va passer. Elle ne passe pas passer, mais elle va passer. Mais si tu es sûr qu'elle va passer, il te reste une seule journée, c'est samedi aujourd'hui. Demain, c'est dimanche, et tu vas apprendre un chant en un jour. Mais je sais que j'apprends rapidement, donc. Oui, je sais. Donc, pendant ces jours, demain, je vais bien chanter, donc. D'accord. Donc, ça veut dire que si on t'apporte le chant, là, maintenant, tu pourras mémoriser et chanter, demain? Le problème, c'est que, souvent, il y a des paroles que j'oublie, donc. Je mâche. Ah, tu mâches le mot. Tu vois, si tu mangeais le couscous comme ça depuis, c'est qu'on serait des grands amis. Si tu finis ton couscous, la condition, c'est une prophétie conditionnelle, ma fille. C'est une prophétie conditionnelle, tu vois. Ça veut dire que si tu manges tout, alors tu auras droit à la neige, à la glace et à tout ce que tu veux. Papa, comment? Tu vas d'abord me surveiller. Si je finis, je pars avec ton martien. Et demain, il y aura le manège. Ouais. Demain, il y aura un très bon manège. Hein. Ouais. Tu vas jouer, tu vas t'amuser. Ce sera terrible, hein, tu sais. Mais là, tu es en train de manger, c'est sérieux, là. Tu as quel niveau déjà? Oh, c'est bien. Ça avance plutôt bien. Alors, tu as fait comment pour les chansons? Tu sais que bientôt, il faudra que toi-même, tu composes tes propres chants. Je vais inventer mes chansons, mais devine à quel âge? À quel âge, dis-moi. Devine à quel âge? À 12 ans. À quel âge, alors? 10. Hum? À 10. À 10 ans? Oh! C'est bien. À 10 ans. Mais là, c'est extraordinaire. Hein? Tu vas commencer à composer tes chants à 10 ans. Yeah. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi tu dis c'est sérieux? Puisque je dois manger l'eau. Ouais. C'est comment, c'est bon? Ouais. Papa, mm-hmm. Je sais pourquoi tu causes encore un tonton Martial. Mm-hmm. Je dois manger, ça te fait même pas. 3 jours. Mmh. À une seconde, il a fini. Rapidement. Qui a fini? Zoé. Je sais bien. Rapide. Mmh. Et là, tu dois manger la viande aussi, tu vois. Ah ouais. Tu manges la viande. Et puis, en mangeant, tu penses toujours au manège, hein? Ouais. Ouais. Quand c'est difficile, tu penses toujours au manège. Et tu auras l'appétit. Et si tu veux qu'on t'achète des vitamines pour bien manger? Hein? Tu veux t'acheter des vitamines? Oui, parce que depuis que ma vitamine... C'est qui? Mmh. Dis-lui, que... j'arrive. Mmh. Depuis que ma vitamine est finie, que tu avais acheté pour mon appétit est fini, c'est pour ça que je ne mange plus. Ah non, alors tu veux qu'on t'achète encore des vitamines, hein? Mais c'est normalement, tu dois avoir l'appétit pour manger. Le miel, non? Hein? Le miel, c'est ça? Mm-hmm. Parce que le miel me donne toujours l'appétit. Hein? Elle veut déposer. Et qu'elle met dans la chambre qui est en bas, là. Papa? Oui, chérie. Peux-tu m'acheter les remèdes pour le palud? Oui, tu te sens comment? Mais là, ici, ça fait mal. Oui, là, ça veut dire que tu as vaincu le palud, hein? Quand tu vois la cicatrice, là, ça veut dire que le palud, ça t'a raté. Hein? Ça t'a raté. Dites parce que j'ai enlevé la peau, non? Hein? J'ai enlevé la peau.
mais ça va te faire une blessure. Normalement, la blessure, tu ne dois pas la brutaliser. Tu la laisses guérir toute seule. Parce que ton corps, il se régénère. Ça veut dire quoi? Se régénérer. Ça veut dire que quand tu te blesses comme ça, ici comme ça, tu vois. Quand tu te blesses, après, ta peau, ça va pousser comme ici. Tu as vu? Voilà, comme ici là, tu vois. Comme on a cousu ici, tu vois. Ta peau, ça va pousser. Tu as compris, hein? Donc c'est un peu ça. Mido Kugal. Moyen. La page où Boyce a déjà fait la gare. Va ouvrir, c'est. Après, il va partir voir. Il fait souvent ça. Et comme il ne connaît pas les gens, il ne l'a jamais fait. Tu imagines seulement. Mmh. Alors, oui, j'arrive, oui. Alors. Bon appétit, chérie. C'est bon, hein? Hein? J'aime quand tu manges comme ça. Quand tu manges comme ça, je t'aime beaucoup encore plus, tu vois. Oh, ce gros morceau de viande, il est délicieux. Bravo, chérie. Bravo, la plus belle des princesses. Elle mange bien. Oh là là. Félicitations, mon amour. Voilà, croque dans la viande, croque là. Allez, un, deux, trois. Aïe, et c'est fait. Elle a croqué, elle a réussi. Mais c'est génial. Papa, c'est pas un match. Elle vient de marquer un but. Elle a marqué un but. Elle a mangé la viande, elle a croqué la viande. Elle mange avec le couscous et puis c'est extraordinaire. Bon appétit alors. Merci. Et puis ce qui est... Ouais. C'est quoi? C'est le poisson. Le poisson, hein? Regarde bien. Ah, ça c'est les crevettes. D'accord.